Compatriotes haïtiens en deux pays, tant que c'est là qui l'autre bord de l'eau ou bien l'autre bord frontière, moi salue nous tous à la Ronde Badé. Moi venu parler avec nous à soir dimanche 6 octobre 2024 là, dans un moment très critique dans la vie pays. Situation pas bon, malgré bonne volonté, malgré gros efforts qu'a fait dans divers domaines, particulièrement dans le domaine sécurité, qui c'est première priorité autorité à la tête de l'État. Gang armé continue à s'immer dans la mi-temps population. Jeudi 3 octobre, gang griffe dans sa vie, massacré plus passé 70 chrétiens vivants dans le pont sondé dans le département de la Tibonite. C'est avec un pile tristesse dans le m'a présenté moun la Tibonite, tout peuple haïtien. Condoléances. Je salue la police nationale là, qui déploie rapide pour venir nettoyer la zone. Mettez l'ordre, permettre l'activité de reprendre pour la population à vivre dans la paix. C'est dans le conjoncture, côté l'école là l'ouvrir, mais un pile de monde pas arriver à rentrer l'école, surtout dans la capitale là. Pays voisin, République dominicaine, continue à maltraiter compatriotes nous, prend décision, pimper, ban nous environ 10 000 chaque semaine sous frontière. L'État haïtien prend toute disposition pour accueillir nous. Sous plan politique, mercredi 2 octobre, ULCC, organise l'État qui a lutté contre corruption, présenté rapport enquête sur le scandale corruption 100 millions de gouttes qui touchait 3 conseillers présidents et qui affectait l'image de tout conseil présidentiel transition. Après publication rapport ULCC, le conseil présidentiel n'est pas capable de casser feuille couvrir ça. Li obligé de gagner une position claire. J'en m'étais dit déjà, dans la date 30 juillet, dans l'occasion 47e réunion chef l'État et chef gouvernement pays CARICOM, qui était faite dans le pays La Grenade, ULCC saisit le dossier, conseil présidentiel là, attend li produire rapport en toute indépendance pour li cap prendre position. Li encourager le travail vite. Entre-temps, nous te souhaité conseiller qui te concerné yo te accepté yo même tout la koyo pas participer de travail conseil présidentiel là pour permettre processus transition continuer avancer sans dommage pendant la justice a fait chemin pour arriver faire lumière jaillir sous dossier pour la vérité paraître clair et puis fixer responsabilité yo. Malheureusement yo pas de comprendre ça t'a pi bon. Dossier a sorti, ULCC bail conclusion travail. Moi-même, qui voulais respecter l'institution avec la loi pays, dans souci pour protéger l'image du conseil présidentiel, là, et puis rester cohérent avec ce que je dis déjà, je ne pas capable d'accepter participer dans aucune démarche qui a affaibli plus et puis dévalorisé la justice pays. Dans même temps, tout. Voyez mauvais signal par la population. C'est ça qui explique moi refuser signer et moi pas signer résolution conseil au prend dans date vendredi 4 octobre 2024 là. Route conseil la prend dans grande majorité li pas bon. Li risque jeter nous dans instabilité. Comme ça aggraver situation pays a prolonger période transition. C'est dommage. Je continue à croire dans le pays, dans le courage et la conviction du peuple haïtien qui veut le changement dans la paix, sécurité, travail, tête ensemble pour l'autre Haïti. C'est l'union qui fait la force. C'est dans le respect de la loi que nous faisons la justice blaye pour lever le pays. Vive Haïti!